Ce compte, qu'est-ce que vous avez subi comme service? Nous étant soto. Étant, faire un modèle mon dit en soto. Non, mais des terrains qui mènent, sorry, n'agam, je sende pas, ma téléphone pas ni. Là, en sortant du terrain, le pénitentiaire qui m'a arraché le téléphone. Le béret rouge qui est sorti là-bas. Il m'a terrassé, il m'a piétiné. Il m'a bastonné très bien. Comme j'ai fait un peu de sport, je l'ai calé avec les pieds pour ne pas détruire ma figure. Voilà. Mon patron te couvre sur Nira, jusqu'à l'hôpital, ça m'a examiné là-bas. Il m'a pétiné, il a marché sur les pieds là. Oui. Je ne pouvais pas, sauf mon patron m'a donné de l'argent et je suis parti à l'hôpital. Mon patron Tal, mon maître Tal, le ministre là. Mon patron, mon maître Tal, qui était devenu ministre là. L'élevage. L'élevage. Non, couvre, il faut m'enseigner mon traitement là-bas. Celui qui m'a donné de l'argent, je suis parti faire mon traitement. Donc, je sens ces douleurs-là jusqu'à présent. On vous a frappé, on vous a retiré votre téléphone, c'est ça? Et bombo, et téléphone femme. Oui. Oui. Est-ce que ce jour, vous avez pu identifier les différents corps qui étaient au stade? Est-ce que inone kolombade sori ma galidi na renunana galidi kunde yirin nana? Bon, une police est tournée. J'ai vu la police. Une gendarme est tournée. J'ai vu la gendarmerie. Un béret rouge est tournée. J'ai vu les bérets rouges. Et ceux qui marchaient comme ça là, qui avaient la tête bandée comme ça là. Voilà. Surtout, c'est les crimes de ceux-là que j'ai vu. Un béret rouge tantôt dans un grand tambomba. Nous n'aurions ni tremblé, mais quand on fait na. Salle de sport. Les bérets rouges, ceux qui m'ont bastonné et ceux qui tremblaient les femmes dans le palais de sport. Et ils étaient nombreux dedans. Ceux qui avaient l'étoffe rouge, c'était des agents. Taftik Béli nous a dit que nous avons 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 dit. De toute façon, moi, pour moi, c'était comme ça. Ce n'étaient pas des militaires. Sors et mon era. Ils n'étaient pas présentés comme des militaires. D'autres avaient des débardeurs. Est-ce que ce jour, vous avez pu reconnaître certains agents? Ils sont une des tournées, n'a rien colo. N'a rien colo. Non. Non. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Monsieur Mahmoud Conté. Conté. Je voudrais savoir à quel moment précis, à quelle heure, vous êtes arrivé à l'esplanade du stade le 28 septembre. Stade Kenema Wati Kirinare. Autant au stade qu'il faut à 9h30 environ. Quelle était l'atmosphère qui était? Quelle était l'atmosphère qui était? Nanouna dit mouvement nanouna. Il y avait de mouvement. N'avez-vous pas constaté un dispositif sur les lieux? Et mon Galidi et Tonou, ils sont soma. On les a dépassés, ils étaient arrêtés. C'était quel corps? Galidi modèle Mundouni. Il y avait des gendarmes là-bas. Gendarmes. Comment ils étaient habillés? Et nous m'a dit. Bon, d'autres chemises noires là. Des t-shirts noirs. Avec casquette. L'air béret. Voilà, en body noir. En body noir. Body noir. Et selon vous, ces éléments relèvent de quel service? Et en Galdi Mundera. Mouna calculé. Moi, je n'ai pas calculé ça. Mais vous avez constaté des hommes en body noir sur les body noir, mérite Antoine. Oui. Oui. Alors, vous êtes venu jusqu'à la porte. Il fallait un nader. Stade nadé. Ah, moi, je suis là. Selon vous, qui a ouvert le stade, la porte? Et en stade nadé, Rabi. Moi, t'en parles de nadé, Rabi. Nous, on est revenu, la porte était déjà ouverte. Les gens avaient rentré. Vous avez eu accès au stade, à l'intérieur? Ils sont là, Tankoui. Ils sont dans le stade, Tankoui. Oui, oui. Vous avez pris place où? Ils sont à Goromindé.
J'étais arrêté au gazon là-bas. À quel moment les tirs ont commencé au stade? 10 heures et quelques. Parce que bon, bon, je n'avais pas une montre, mais le soleil était apparu comme ça là. Ils ont commencé à tirer. On a vu d'autres bérets rouges dans le véhicule qui rentrait. Donc, ils tiraient les gaz aussi. C'est ce qui a créé la panique. Donc, vous avez constaté la présence des bérets rouges. Les bérets rouges étaient en train de dès leur arrivée, les coups de fusil ont commencé à retentir. Oui. Oui. C'est en ce moment que vous avez cherché à escalader, à vous sauver. Effectivement. Oui. Vous avez parlé d'un militaire qui est venu fermer une porte. Oui. Il relève de quel corps? C'est un béret rouge, un gendarme? Non, c'était pas militaire. Vous m'en pouvez sauver, sortir là-bas sans qu'il y ait beaucoup de morts. Mais il est venu, il a touché l'autre battant, il a rabattu comme ça. Donc cela vous a empêché de sortir? Oui. Vous êtes resté à l'intérieur du stade? Oui. Alors selon vous, son acte, c'était une façon de vous retenir pour ne pas que vous vous sauviez, ou bien il a fait ça pour qu'il y ait plus de morts, qu'il y ait beaucoup de morts encore. Cette femme dont vous parlez, vous l'avez rencontrée à quel niveau précisément? On s'est rencontré au terrain là-bas. C'est une fille, elle peut devenir même mon enfant comme ça. Bien arrêté le magistrat dans le refaire mon cathédrale. Très arrêté comme le magistrat qui a voulu être arrêté. Si vous n'êtes pas criard, vous ne pouvez pas faire ça. Donc elle était en train de se sauver. En katafé na fanna yete ni retanga fi. Anu bartaga bar kalaki afasa min mafako afako ira kili kamana wine. Elle était fatiguée, elle s'est adossée au mur comme ça là, elle soulevait son corps, wine. C'est en ce moment cet individu est venu l'égorger, c'est le mot. Ni gidi fa konna kabana lerine. Oui, il est venu l'égorger en ce moment. Vous parlez également de d'autres personnes qui avaient été victimes de cette même personne. Anaïm Kerenya Mirbete Fan Sorone. Oui. Chaque fois qu'il voyait une personne étouffée, il venait finir avec. Atano Mirita Gangrito, Atanfairagnon. Ananana Nabama. Oui, c'est lui, c'est ce que lui il faisait. C'est lui qui il arborait les coris au niveau de la tête. Yelinatanangoni. Oui. Et un autre qui avait un étoffe cousu comme ça, là, il y a quelque chose dedans. Mais dès qu'il vous donne un coup, il vous assomme, vous tombez. Ils étaient deux que moi j'ai vu. Est-ce que dans l'enceinte du stade, avez-vous constaté la présence des personnes qui arboraient les tenues celles-ci? Bon, mon esprit n'est pas parti de ça. Non. Mais téléphone n'a ni l'air ne rabore d'engel ne l'avoir sorti dans la qui en rien à miner n'a pas un raquella en rabore et marbourou en rescapé fatigué. Au moment où j'avais le téléphone, il y avait un ami qui est militaire qui m'a appelé. Il dit tiens où? J'ai dit, je suis là. Il dit, il faut quitter. Les gens sont partis. Ils vont aller tuer. Dans votre parcours, vous dites que vous avez vu les femmes en train d'être violées par les militaires. Je jure, au nom de Dieu, au nom du Coran, je le jure, j'ai vu ça. Les femmes traitaient, les militaires traitaient les femmes comme ça. À quel niveau du stade? Minde Longori stade. À salle de boxe qui mène. Là où on sport. Fait la boxe là. Salle de sport. Palais de sport. Vous confirmez également qu'il y a eu des fils
qui était placé au niveau des murs. Et courant l'outil va la boulonne, à la Zamirma. Ils ont tiré sur le fil qui est tombé sur un battant de la porte. Vous avez vu les gens tomber sous l'effet de ce fil électrique? Bon, le premier groupe, comme ils étaient nombreux, ils sont partis sur la porte, ils n'ont pas compris. Pour faire sortir, pour ouvrir. Nous, on a trouvé que la porte là était entrebâillée comme ça, là. C'est l'autre côté qui était complètement ouvert. Parce que tout le monde, on était, c'était de la débandade, on courait. Dans le stade, dans l'enceinte du stade. Vous dites que vous avez remarqué la présence des bérets rouges. Oui. Vous avez, est-ce que vous avez constaté la présence des gendarmes, des policiers également? Sorry, police, nous, gendarmes, nous, non. Vous avez constaté la présence des bérets rouges? Bérets rouges, non, tantôt. Et également des personnes qui arboraient les courriers. Bérets rouges, nous, oui. Alors, vous avez suivi ce procès? Oui. À ce stade, vous connaissez au moins les personnes qui sont poursuivies devant ce tribunal? Oui. Vous avez remarqué la présence de quelles personnes au stade? Et environnant. Dans votre parcours de Constantin, de Matam, Constantin, Farmaguiné, jusque dans l'enceinte du stade, vous avez constaté la présence de qui? Neyama kelifé matan Constantin ifa hanso terema indetourné yama. Eh mirine re rafé fala re beki. C'est qu'on parle d'ici. Alan kadon de mumoto. Dieu c'est la vérité, je n'ai pas vu quelqu'un. Vous ne les connaissez pas avant? Imam mune kolo. Pivi kolo. Je connais Pivi. Pivi bar loge mon quartier. Pivi a logé dans notre quartier. À Dabondi Makiatouli. Il connaît là-bas aussi. Alors vous personnellement, vous êtes victime de quoi? Monsieur Tansoto. Vous avez été victime de quoi? Le bureau rouge qui m'a balayé. Police bar ma téléphone bangira. Le policier m'a retiré le téléphone Nokia. Parce qu'ils étaient nombreux dans la cour. Celui qui m'a terrassé, il a marché sur moi, il m'a piétiné. Jusqu'à présent, au niveau de ses genoux là, j'ai mal. C'est ce qui me fait mal jusqu'à présent. Je peux m'arrêter, mais pas longtemps. Et je, en marchant aussi, je ne peux pas hâter les pas aussi. Voilà. Vous avez parlé d'une certaine Mabangoura. Mabangoura Ndira Fefalane. Oui. Vous connaissez Mabangoura avant ce jour? Et Mabangoura Colombé, ce jour, vous l'avez connu? Mabangoura na Colombé, nous t'aurons. C'était une jeune sœur à nous. On se connaissait.